Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va à Barcelone pour aller à Lloret del Mar et faire le fameux Florida Poker Tour. Des tournois de 40 minutes avec un prize pool de plus de 3 500 €, un pack pour jouer, il me semble, les WPT ou un autre pack Florida, ça va dépendre. Donc, cette petite semaine vacances plus poker. Moi, j'ai pris les 3 semaines et ensuite, je veux m'installer sur Barcelone, m'installer dans le coin et commencer ma petite vie en tentant mon objectif de devenir joueur pro. Donc là, je suis actuellement à l'aéroport de Bordeaux et la nouvelle étape commence. Let's go. Barcelona, Barcelona. Je viens d'arriver à l'hôtel à Lloret del Mar. Maintenant, on va se détendre tranquillement. On va aller manger, on est bien, et demain, place au tournoi. Bienvenue ce soir, non pas au casino exceptionnellement, mais à l'hôtel Florida pour cette première édition. Au nom de toute la team, merci de votre présence. Comme je l'ai dit, ce soir, on se détend et demain, on commence les tournois. Sauf que en bas, ils sont en train de jouer des mains à tapis pour 50 balles. Il y a une partie de moi quand même qui aime le jeu, vous savez, donc c'est parti. On va faire une petite main à tapis, let's go. Manu, Jimmy, Benji, pour l'instant, personne ne regarde. Allez, stop, s'il vous plaît, cher Jérôme. Un 5 de carreau, un 4 de pique, un 2 de trèfle. On retourne la première carte. On a un 4, on a un as, on a un autre 4, on a un 6. C'est pas mal. Une perle maintenant. 3. On retourne la deuxième carte. C'est qui arrive? Bon, j'ai clairement déchaté avec la paire de rois, je me suis fait avoir par un brelan de 2. Mais le positif là-dedans, c'est que bah, c'était marrant et demain, on va jouer les compétences. La confiance du mec. Du coup, première nuit en Espagne. Là, franchement, je suis KO. Mais excité en même temps de me dire que demain, ça commence. Et bah, moi, je vous retrouve directement pour la mañana. Donc on vient d'arriver au casino, enfin, pour jouer le Florida Poker Tour, le premier tournoi de niveau 40 minutes, je suis hyper chaud. On va y aller un peu au feeling, on va surtout analyser les joueurs, voir ce qui se passe, et je vous partage un max de coups, c'est parti. Non, il n'y a pas de Ici j'ai As-9 en petite blinde, ce joueur en UTG qui décide de relancer à 600 sur des blindes 100-200, donc ça représente 3 blindes ici. Je paye avec mon As-9 suité hors position. La grosse blinde qui jette ses cartes et je me retrouve en heads-up contre ce joueur qui est un joueur pro cash game en ligne. Donc il n'est pas très actif à la table depuis tout à l'heure, mais il analyse beaucoup ce qui se passe autour de lui, ça se ressent. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de joueur en face, et contre lui, et surtout hors position, je préfère check. Avec mon tirage vers les nuts. Donc il check également. On se retrouve à la turn et je touche ma couleur. Ici je préfère prendre l'initiative de miser, je mets 600 dans un pot qui fait 1004. Ici j'ai de la value à prendre
J'ai pas envie de le laisser checker ici, mais bon, c'est vrai que contre ce joueur, ça me dérange vraiment de pas avoir la position. Voilà, il fold. Bon, je prends un petit pot. Ça fait toujours plaisir de prendre des jetons, on va pas s'en plaindre. J'aurais aimé qu'il me paye, bien sûr, mais je prends, avec le sourire. Ici, je découvre 5-9 au cutoff. Cette joueuse à ma droite en hijack qui a misé à 600, je décide de payer. Le bouton qui a l'air intéressé décide de payer également. Donc ici, on est deep, on a 200 blindes. C'est le genre de coup qu'on peut se permettre de faire. On est sur des blindes 100-200. Les blindes jettent leurs cartes, on se retrouve à 3 joueurs dans le coup. Allons voir un flop. Ici j'ai middle pair. La joueuse décide de checker. J'ai envie de miser ici pour prendre la position. Je vais faire assez cher, je vais envoyer 1005 dans un pot qui fait 1008. Le bouton qui jette ses cartes, c'est parfait. Donc je me retrouve en heads up avec cette joueuse. J'ai pas trop d'informations sur elle à part qu'elle est tight. Elle décide de me payer ici. Elle check, donc je check également. Je la vois plutôt faible. C'est le genre de joueuse qui va checker quand elle a rien et miser quand elle a du jeu. Ici, j'ai envie de tenter d'arracher le pot. Je vais envoyer 3000 dans un pot qui fait 4800. Et je pense pouvoir lui faire folder ici des mains qui me battent, comme des paires de 6 préflop et une petite paire de 8. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on joue pas les cartes, mais le joueur. Bon, parfait, c'est une petite victoire ici. On prend 4800, on est content et on passe à la prochaine main. Ici, je découvre une paire de 3. Le joueur en milieu de parole relance à 600. Je décide de payer. Ce joueur au cutoff qui surrelance à 1700. Bon, le joueur en MP qui paye, j'ai une énorme cote, j'ai 1100 à mettre dans un pot qui fera 5100, donc bien sûr je vais payer tous les jours ici. Le flop. Je touche mon brelan 3. Il check. Ici, je vais checker parce que l'autre joueur, il va souvent c-bet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il envoie 2005 dans un pot qui fait 5100, donc il envoie à peu près mon demi-pot. L'autre joueur fold. Ici, j'ai un brelon, donc bien sûr, je vais payer. J'ai pas envie de relancer, c'est le genre de joueur qui serait capable de le faire avec, avec 5-7. Et si je relance et qu'il me surrelance, je vais avoir des décisions délicates à prendre. Donc je check, il check. La river, oh, la river elle est catastrophique. Bon, ici on va checker, on n'a pas de raison de miser. Il check également. Je monte mon brelan. Et là il retourne 5-7 suité. Donc vous voyez, il est capable de le faire avec n'importe quoi ici. Une surrelance préflop avec 5-7 suité. Je suis content de prendre ce petit pot. Ici, j'ai Dame 10. Je décide de relancer à 500, donc 2.5x, c'est ma relance standard. Ce joueur au bouton qui décide de me payer. Et le joueur en petite blinde qui paye également. On se retrouve à 3 joueurs dans le coup. Il y a 1700 dans le pot, je touche un tirage quinte, il y a le tirage couleur également, ça check. Ici je préfère checker également parce que j'ai pas la position et ce joueur était plutôt agressif. On va voir une turn,
Goonies. Bon, ici j'ai une bonne cote pour payer. On est deep, on avisera à la river. Et puis si on peut prendre la position, ça ferait plaisir. Donc ce joueur qui décide de payer au bouton, on se retrouve à 3 à la river. Et je touche ma quinte. Donc ici, je peux pas rêver mieux, j'ai les nuts. Ce joueur décide de checker. Donc là, j'envoie 2200. Je fais demi-pot. Le bouton qui réfléchit un petit peu. Et qui paye. Le joueur en petite blinde jette ses cartes. Je monte ma quinte. Il muck. Et on gagne encore un petit pot. On monte les jetons,